little children, babies, toddlers, they learn to talk, they learn to walk, and they have no lesson about it, and they just do it, they want to do it, and they're very urged to do it, and even they fall 10 times, 20 times, 30 times, and still they go on doing that. For me, self-directed education is that children have the freedom to choose what they do and also not are obliged to do certain activities. Pour moi, l'éducation autogérée, c'est vraiment suivre l'élan des enfants. J'ai un peu la conviction, l'intime conviction, qu'ils savent ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent apprendre. Et nous, on les accompagne en tant que parents et en tant que collectif de parents. Donc l'éducation autogérée, pour moi, mais c'est d'abord de laisser l'enfant grandir et apprendre à son rythme en fonction des centres d'intérêt qu'il découvre et qu'il développe au fil des années. Ça requiert aussi pour moi du coup d'exposer nos enfants à un maximum de disciplines différentes, de métiers différents, d'arts, de façons de vivre différentes pour que l'enfant puisse aussi sentir un petit peu ce qu'il appelle. It's like you're in a driver's seat and you're driving yourself, except one of the people is still helping me. Et je dirais aussi un élément important pour moi, les apprentissages autogérés, c'est quand même une présence adulte qui soit soutenante, stimulante. Voilà, le contexte dans lequel évolue l'enfant est quand même très important. Ça demande quand même une disponibilité parentale assez importante. Pour moi, c'est un vrai choix de vie qui n'implique pas simplement la zone des apprentissages, mais la façon dont on organise le temps en famille, dont on gère le travail, voilà.